Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Jacques Blanchet, je suis à la Maison du développement durable au centre-ville de Montréal. Bienvenue à ce deuxième événement virtuel de la 15e édition du Gala du Conseil régional en environnement de Montréal. Deuxième événement sur trois. Cet événement est présenté par Hydro-Québec et organisé par le Conseil régional en environnement de Montréal et la Maison du développement durable. La Maison du développement durable, pour ceux qui ne le savent pas, est un carrefour d'échange, de réflexion et d'innovation sur le développement durable. La Maison du développement durable souhaite inspirer les citoyens, les experts et les élus et créer des synergies entre ses membres, ses locataires, les groupes de la société civile et les citoyens afin de soutenir la portée de leurs actions. Aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir ce 15e gala, cette 15e édition du gala du Conseil régional en environnement de Montréal. Et je vais céder tout de suite la parole à Caroline Gosselin, votre maître de cérémonie, pour cette petite heure et 15 en notre compagnie. Caroline, l'écran est à toi. Merci beaucoup, Jacques. Toujours un plaisir de travailler avec la Maison du développement durable. Le CREU Montréal est un organisme de bienfaisance indépendant qui a été créé en 1996 pour la protection de l'environnement et la promotion du développement durable. Donc, notre mission est vraiment de regrouper, de concerter ses membres par ses activités de sensibilisation, de représentation publique et différents projets et actions qui contribuent à l'amélioration de la qualité des milieux de vie et l'équité sociale. Et ce, sur toute l'île de Montréal. Le gala qui est notre événement annuel est justement la fenêtre ou l'apogée de toute cette concertation-là parce qu'on fait appel à toutes les organisations, peu importe leur statut légal. Donc, on part du plus petit communautaire jusqu'à la plus grosse entreprise de l'île de Montréal pour justement nous présenter leur projet, leur réalisation, leur démarche. Puis nous, on se fait un plaisir et un honneur de les mettre de l'avant et maintenant depuis 15 ans. Le CREU est fier vraiment de susciter l'intérêt. On voit franchement le développement depuis les 15 dernières années avec le gala, mais avec les 25 années d'existence du CREU. Les conférences des lauréats du gala sont présentées par la Maison du développement durable, on vient de le savoir, et bien sûr par Hydro-Québec. De là, la petite vidéo que vous avez vue en ouverture, qui est Hydro-Québec, qui est le présentateur de ces trois conférences-là, qui est aussi un commanditaire du gala en général et qui est le partenaire principal de la MDD. Donc, on est toutes complémentaires. pour arriver à des lauréats, cette année, on a eu la chance de recevoir 45 candidatures, comme je disais, de plein d'organisations différentes, de tous les gabarits. De ces 45-là, un jury a déposé 18 finalistes, ou a proposé 18 finalistes plutôt. Et de ces 18-là, 10 ont été nommés lauréats. Aujourd'hui, dans la conférence en biodiversité, on vous présente trois lauréats. Les trois lauréats sont l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, Miel Montréal et Semi-Urbain ou Urban Seedling. Nos intervenants aujourd'hui pour chacune de ces belles organisations-là à l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, c'est Mélissa Larochelle qui va nous entretenir. Mélissa, elle est agente de recherche en développement durable pour l'arrondissement. Pour Miel Montréal, ça sera Laura Charpentier qui est directrice générale. Donc, merci. Et pour Urban Seedling ou Semi-Urbain, c'est Sean Manning qui est copropriétaire de cette belle petite organisation-là. Je tiens à souligner aussi dans les lauréats que depuis 2 ans maintenant, Communauto offre des bourses à deux lauréats. Et c'est entre autres Miel Montréal qui a reçu une de ces bourses-là. Donc, Laura pourra nous en dire plus
sur sa réalisation. Mais en ce moment, on commence avec l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie, simplement par ordre alphabétique. Une fois qu'on aura passé à travers les présentations de chacune des organisations, un petit 5 minutes chacun, on va passer à une période de questions dirigées. De ces questions dirigées-là, on va passer aux questions du public. Donc, si dans notre public, si vous voulez poser des questions, que ce soit sur Facebook ou sur Zoom, vous pouvez le faire dans le chat ou dans le fil de discussion sur les deux plateformes, puis on va essayer de garder le fil avec toutes ces belles discussions-là. Donc, ne vous gênez pas, on va tenter de répondre à toutes vos questions à la fin complètement. Puis, à ce moment-ci, je laisse le micro à Mélissa. Bien, bonjour tout le monde, je suis bien contente d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir remporté ce prix. Donc, on a collaboré avec Miel Montréal, en fait, qui est aussi parmi nous aujourd'hui, et Nature Action Québec, en fait, a fait de mettre en place un projet pilote de lutte à l'herbe à poux, pour à l'aide d'aménagements favorables à la biodiversité. Et donc, pour débuter, pourquoi on désire lutter contre l'herbe à poux? Comme plusieurs le savent déjà, en fait, c'est un enjeu de santé publique. En fait, 75% des allergies au pollen sont causées par la présence d'herbe à poux. Donc, c'est une plante qui peut produire de 100 millions à 6 milliards de grains de pollen qui voyagent facilement par le vent sur un rayon d'environ 1 km. C'est une plante annuelle envahissante qui peut produire jusqu'à 2500 semences qui se déposent au sol et qui peuvent émerger à chaque année. Donc, nous, à l'arrondissement, il y avait plusieurs des citoyens qui en sont incommodés et qui faisaient des requêtes ou des plaintes à cet effet. Donc, ce qui nous a incité là, à déposer un projet au ministère Santé et Services sociaux pour financer le projet pilote en collaboration avec Miel Montréal et Nature Action Québec dans le cadre du plan d'action le 2013-2020 sur les changements climatiques du gouvernement du Québec. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, Nature Action Québec, qui est en fait mandataire du programme de verdissement de l'arrondissement, a été principalement impliqué dans le projet pilote en ce qui concerne la cartographie, en fait. Neuf tronçons de rue pour l'équivalent de 25 km ont été inventoriés. Donc, on est en bordure de rue principalement. Donc, et l'indice d'infestation, il s'agissait en fait d'identifier la densité, donc soit faible, modérée ou élevée, et de le multiplier par la longueur du tronçon où la densité était répertoriée. Donc, ces inventaires ont permis de déceler la présence d'herbe à poux là, sur 10% des 25 km de rue, dont 44% a été d'un indice d'infestation faible, 37% modéré et 19% d'un indice élevé. Donc, on peut passer à la slide suivante, ce qui nous amène à vouloir maintenir notre projet pilote contre l'herbe à poux. Donc, les méthodes de lutte sont celles les plus connues sont la tonte, la fauche et bien sûr l'arrachage. Mais il est dans les bonnes pratiques aussi de façon complémentaire de permettre l'implantation d'un couvert végétal compétitif. Ce qui nous a amené à vouloir élaborer un couvert végétal qui était également favorable aux pollinisateurs en collaboration avec Miel Montréal. Donc, comme on le sait, les populations des pollinisateurs sont en déclin. Je vais laisser possiblement Laura nous en parler davantage tout à l'heure. Et puis, donc, ça nous a incité à identifier des plantes en collaboration avec les horticulteurs de Miel Montréal, donc des plantes mielifères et à créer des habitats qui seraient favorables. Donc, on part de la prémisse du fait que les plantes mielifères sont plus rustiques et puis qu'il pourrait y avoir un cortège de plantes et des schémas d'aménagement qui pourraient être intéressants, soit pour la lutte, créer des habitats, mais également qui pourraient être adaptés à la croissance en ville.
Donc, ce qui nous a amené à planter 20 carrés d'arbres plus une banquette. Non, je reviendrai à la fête précédente. Et puis, en fait, on a Miel Montréal a planté 10 endroits avec une banquette et les citoyens ont également, comme on le voit sur la petite photo, participé à la plantation de 10 carrés d'arbres qui ont été soutenus par Miel Montréal. Et comme suite aux suivis qui ont été réalisés au cours de l'année, donc en août dernier, on pouvait déjà identifier que le niveau d'infestation était faible ou nul à 100% des endroits aménagés. On a très hâte au suivi à venir en 2021, mais c'est déjà de très bon augure de ce qu'on a pu voir sur le terrain. Donc, comme on peut passer à la slide suivante. Donc, comme je le mentionnais, on désire poursuivre le projet en 2021 et 2022, et ce, grâce encore à un financement obtenu du ministère Santé et Services sociaux sur 2 ans. En 2021, cette année, très bientôt, dans les prochaines semaines, on désire poursuivre les superficies de plantation et maintenir les superficies qui ont été plantées avec des suivis des entretiens des plantations de 2020. Et tout ça en impliquant encore les citoyens là, dans les plantations. Poursuivre la cartographie sur environ 50 km de rue pour cette année. Donc, on veut mettre un effort supplémentaire au niveau de la cartographie, puisque en 2022, on aimerait profiter des conclusions et bilans qui seront faits au niveau des plantations, de l'entretien et des suivis élaborés avec Miel Montréal, dans le but de rendre disponibles aux citoyens des trousses de plantation qui viendraient avec des directives d'aménagement et d'entretien dans les sites inventoriés où il y aura des problématiques d'infestation d'herbes à poux. Donc, les citoyens seront sollicités là, pour se faire prévaloir des trousses de plantation. Et donc, on poursuivra également les efforts d'inventaire tout de même en 2022, dans le but, en fait, d'identifier vraiment, d'avoir un topo du territoire et de l'étendue de l'infestation et après coup de pouvoir, en fait, mettre dans notre cadre d'aménagement, dans les plantes habituellement données aux citoyens, possiblement là, des trousses de plantation de façon récurrente. Donc, et voilà. Donc, je voulais remercier vraiment nos partenaires là, dans l'élaboration de ce super projet pilote qui est très porteur, à mon avis. Et donc, sans eux, on n'aurait pas pu le mener à terme. Donc, merci à Miel Montréal, Nature Action et au gouvernement aussi donc, de nous soutenir. Et on va passer maintenant la parole à Miel Montréal pour le Jardin des pollinisateurs. On est dans la belle section des fleurs. Et on va, c'est la biodiversité en plus avec le printemps qui éclot, c'est absolument magnifique. Donc, Laura, je te cède la parole. Oui, bonjour tout le monde. Merci de nous recevoir. Donc, Laura Charpentier, je suis la directrice de la coopérative Miel Montréal. Donc, Miel Montréal, on est une coopérative dont la mission est triple. Et donc, on a pour vocation l'éducation à l'importance des pollinisateurs, la création d'habitats favorables à la biodiversité et la promotion de pratiques apicoles responsables en milieu urbain. Alors, on a commencé en 2010, comme tout le monde, quand on a appris que, comme disait Mélissa, les abeilles étaient, tu peux revenir à la série précédente, en voie de disparition. Et leur santé était en déclin, à réfléchir comment on pouvait, nous, en tant qu'urbains, se mettre en action pour espérer améliorer la santé des pollinisateurs. Et on a commencé par gérer des ruches, comme à peu près tout le monde. Le raccourci dire la santé des pollinisateurs, la santé des pollinisateurs décline, c'est souvent qu'on pense d'abord aux ruches, mais on s'est rapidement rendu compte que c'était plus complexe que ça, et qu'il n'y avait pas que des abeilles avec lesquelles on fait du miel, mais que les villes étaient des oasis de biodiversité avec des centaines d'espèces de pollinisateurs différentes, et que si on voulait améliorer leur santé de manière globale, il fallait qu'on réfléchisse à des solutions pour vraiment répondre aux causes de leur déclin. Une des causes de leur déclin, c'est qu'ils ont de moins en moins d'habitats, c'est-à-dire qu'en ville, par exemple, le fait d'avoir beaucoup de surfaces asphaltées, de peu avoir d'espace vert avec une diversité de plantes, etc., ça crée un manque de ressources. Et donc, vu qu'il n'y a pas assez de ressources, ben, les pollinisateurs ne peuvent pas avoir une qualité de vie acceptable. Donc, c'est comme ça qu'on a vraiment, en 2020,
décidé de développer, en plus de nos services actuels de la COAM, donc plus tourné vers l'éducation et l'apiculture, tout un volet qui a pour vocation de créer de l'habitat pour les pollinisateurs. Donc, c'est sous la forme de donc, jardins qui vont à la fois, comme on le dit dans cette slide, donc pallier au manque d'habitat pour les pollinisateurs en milieu urbain. C'est leur vocation principale, parce que nous, c'est notre mission. Mais en plus de ça, créer des villes plus vertes et résilientes. Donc, évidemment, quand on vient verdir un espace, on vient travailler sur lutter contre les îlots de chaleur, on vient en même temps améliorer la santé des sols, on peut faire une meilleure gestion des eaux de pluie, améliorer la qualité de l'air ou, par exemple, lutter contre des plantes envahissantes. Donc, ça, c'est vraiment des composantes des services écosystémiques qui sont également liés à nos jardins. Et puis aussi, on espère pouvoir créer des jardins qui vont également améliorer la santé des citoyens et des citoyennes urbains. Et donc, arriver, comme par exemple avec le projet que nous avons fait en collaboration avec l'arrondissement Rosemont, pouvoir lutter contre des pollens allergènes, donc améliorer certaines, diminuer certaines allergies saisonnières, créer des jardins qui soient à la fois des lieux de vie pour les citoyens, recréer du lien entre la ville et la nature, donc avoir une nature un peu plus inclusive directement dans nos villes et également, évidemment, encourager l'agriculture urbaine puisqu'on le sait tous, il y a un lien très fort entre la santé des pollinisateurs, la pollinisation et donc notre alimentation. Tu peux passer de slide. Merci. Donc, dans ce contexte-là, l'année dernière, on a été toqué à la porte de différents partenaires pour essayer de créer des projets pilotes. Donc, on a eu la chance d'avoir l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, nous a fait confiance pour un projet dont on vient de parler, et également le Conseil régional de l'environnement à travers l'opération ILO, qui nous a proposé de faire une collaboration. Et donc, on a lancé une opération qui s'appelle Gardien des pollinisateurs. Cette opération, c'est vraiment pour motiver et faire connaître le lien entre le besoin de créer des ressources et l'amélioration de la santé des pollinisateurs en ville. Donc, on a lancé l'opération en début 2020. Il y a eu un appel à projet. 18 organismes ont déposé un projet et 5 projets ont été sélectionnés. Dans l'offre de base de l'offre gardien des pollinisateurs, il y avait un aménagement de 10 mètres carrés, donc un jardin qui allait être conçu. Il y avait également 3 activités de sensibilisation pour vraiment qu'on fasse un lien avec l'éducation et la sensibilisation des citoyens et des citoyennes, et également 5 kilos de miel qui proviennent des ruches de la coopérative, parce qu'on considère que faire des jardins est tout aussi important, voire plus, que d'avoir des villes, que d'avoir des ruches pour avoir des abeilles en santé et donc qui produisent du miel. Donc, c'est important pour nous de symboliser cet engagement à travers les jardins avec la récompense des 5 kilos de miel à la fin de l'année. On peut y aller avec la slide suivante. Donc, en 2020, on a eu la chance de travailler avec 5 organismes. Donc, l'école Gérald McShane, Solidarité Marseillaise, Hydro-Québec, le Collège Maisonneuve et le Boisé Jean Milot. Et donc, on a fait les aménagements. Il faut savoir que sur ces 5 projets, il y en a 3 qui ont, les 3 de ces 5 organismes ont également ajouté un budget pour agrandir l'espace qui a été aménagé. Donc, par exemple, le Boisé Jean Milot, on a pu faire 25 mètres carrés au lieu des 10 réalisés initialement. Solidarité Merciès, on a fait 20 mètres carrés, puis en plus Hydro-Québec, on est allé jusqu'à 60 mètres carrés. Donc ça a été vraiment le fun de voir que les organismes ont également pris l'initiative d'aller plus loin que l'offre qui était proposée initialement. Donc ce sont les projets de l'année dernière, mais comme vous voyez, c'est des projets naissants. On est impatients de voir ce que ça donne cette année, de voir à quel point les jardins vont grandir encore une fois cette année. On peut passer à la feuille suivante. Donc, pour la suite, nous, on a une vision moyen, long terme, donc une vision phare. Et ce qu'on aimerait, c'est vraiment de développer des jardins avec des pôles, en fait, de biodiversité. On s'explique pourquoi des pôles. Donc, déjà, parce qu'un pôle, c'est mobilisateur, c'est porteur de sens, mais aussi, ça s'explique parce que les insectes, donc les pollinisateurs, ont besoin d'avoir des espaces qui sont connectés les uns aux autres pour pouvoir se déplacer. Ce qui se passe souvent en ville, c'est qu'on a des espaces qui sont fragmentés. Et donc, malheureusement, ça ne permet pas aux espèces de se déplacer d'espace en espace et ça réduit vraiment le côté attractif des espaces verts. Donc, ce qu'on aimerait, nous, c'est créer des pôles de biodiversité et donc qui permettent d'avoir une connectivité entre chaque aménagement qu'on crée. Donc, pour avoir une vision un petit peu de ce qu'un pôle pourrait représenter, ça va être la slide suivante.
Donc, un pôle GBP, pour l'instant, comment on l'a réfléchi, ce serait un jardin vitrine, donc un jardin d'envergure. Par exemple, là, c'est un jardin qu'on a fait avec l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie dans un lieu public. Là, c'est au parc du Père Marquet. Donc, c'est un jardin qui se veut un jardin avec une surface conséquente. On parle de entre 100 et 250 mètres carrés. C'est un jardin vraiment qui se veut le cœur, en fait, du pôle. Donc, on aimerait qu'il soit dans un lieu public, qu'il soit accessible aux citoyens et qu'il soit associé, par exemple, à une programmation d'activité éducative, vraiment que ça devienne un lieu de vie florissant. Ensuite de ça, c'est ce jardin vitrine sera entouré de jardins de connectivité. Donc ça, c'est des jardins de taille un petit peu plus petite, tout autour dans le rayon du pôle, pour pouvoir justement, comme je vous le disais, permettre aux pollinisateurs de se déplacer et d'avoir un habitat qui est conséquent. Et pour faire du sens avec tout ça, par pôle, on imagine un rucher cœur. Donc, ça peut être des ruches déjà existantes ou des ruches qui sont nouvelles selon s'il y a beaucoup de ruches ou pas dans le pôle qu'on amène. Mais c'est vraiment pour qu'il y ait toujours ce lien-là et que, par exemple, on puisse faire un partage de la récolte de miel entre tous les acteurs de ce pôle pour vraiment symboliser l'engagement du verdissement, en fait, pour le succès du rucher. Donc, finalement, on pourra même solliciter dans une dernière étape les citoyens qui ont évidemment leur rôle à jouer et qui pourront également fleurir leur cour arrière, leur jardin, leur balcon et qui viendront agrandir, en fait, l'effort commun qu'on fera pour les pollinisateurs. On va passer à la slide suivante. Et ça va être la dernière. Donc, en 2021, l'opération gardien des pollinisateurs se poursuit. On travaille avec de nombreux organismes qui sont à la fois des organismes privés, des organismes publics et parapublics, des arrondissements, des CIUS, pour vraiment implanter cette vision des pôles, créer de multiples pôles à l'intérieur de la ville de Montréal et de pouvoir donner de l'ampleur à cette opération pour transformer nos villes en des villes exemplaires et résilientes pour la protection de la biodiversité. Voilà, merci pour moi. Merci énormément, Laura. Très intéressant. Je tiens à souligner aussi que oui, le CRE était impliqué dans le dans le projet, mais que aucune personne du CRE était sur le jury et le comité de sélection. Donc, il n'y a pas eu de problème sur la situation. On n'a pas eu d'influence. Mais donc, le CRE est très, très fier d'avoir reçu en parallèle ou par la bande, ce prix-là aussi. On va passer à Sean Manning de Semi-Urbain. Je vais laisser Sean, qui est au même endroit où la photo a été prise, justement. Magnifique serre. Et à vous la parole, Monsieur Manning. Merci beaucoup, tout le monde. Alors oui, je suis dans nos serres. Je suis dans une autre des serres à l'intérieur. Il fait un peu plus chaud ici. Mais là, je suis entouré de plantes tropicales. J'ai des fruits de passion derrière moi. C'est super beau. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui un projet que ça fait... On est dans la troisième année présentement. Et ce que nous avons pu faire avec nos excellents partenaires, c'était de convertir des espaces corporatifs, des espaces verts non usagés, c'était du gazon ou de l'asphalte. Et on a pu construire des jardins hors terre et faire la production de nourriture dans ces espaces. Et le but de ça, c'était de produire de la nourriture qui serait donné directement à des familles, des particuliers, des clients, des bains alimentaires pour qu'ils puissent avoir accès à de la nourriture frais, bio et de la meilleure qualité. Alors, je me présente un peu premièrement et notre entreprise Semi-Urbain. C'est une petite entreprise familiale. C'est moi et ma femme Tereska qui l'ont commencé, ça fait à peu près 10 ans. Et dès le début, on avait toujours une vision de pouvoir avoir un effet sur la sécurité alimentaire. C'était toujours une partie de notre désir, notre vision, notre mission comme entreprise. Mais ça a été
assez clair, assez vite, que ce qu'on faisait en termes de bâtir des jardins pour des particuliers, de montrer des gens comment faire la production chez eux, ça n'avait pas un très grand impact. Ça avait l'impact sur le particulier, mais c'était juste des gens qui avaient assez d'argent et le désir de pouvoir apprendre comment faire la production. Et ça avait un impact juste sur le particulier. Notre plus grande vision d'avoir un impact sur la sécurité alimentaire n'était pas vraiment atteint. Et finalement, il y a 3 ans, on a trouvé une manière d'avoir vraiment cet impact qu'on espérait toujours avoir. Et ça a commencé avec la compagnie Medtronic. C'est une compagnie sur le boulevard, le 40, qui fait de la production de produits pour des hôpitaux, etc. Ils avaient un immense terrain de gazon qui était vraiment sous-utilisé. C'était vraiment juste, les gens, ils passaient la tondeuse, puis d'attitude, de temps en temps, un des employés allait là pendant 2 minutes juste pour relaxer. La compagnie a toujours eu un mandat de faire pour leurs employés de faire une quantité d'heures de bénévolat par année. Et ils voulaient trouver une manière de supporter l'organisme du West Island Mission, la mission de l'ouest de l'île. Et c'est de là qui est née l'idée de pouvoir faire de la production sur ces terrains. On a commencé à faire 14 jardins là-bas. Et ces 14 jardins ont été tellement productifs et tellement un grand succès qu'on avait eu une autre compagnie qui est rentrée, qui était le CP Camionnage et Cummins. C'est des entreprises avec des gars qui travaillent sur des grands camions. Et on a mis un autre 10 jardins et un autre 14 jardins. Aujourd'hui, on a plus que 100 jardins dans des entreprises et toute la nourriture qui est produite est donnée à les familles. Il y a 200 familles qui reçoivent de la nourriture fraîche à chaque 2 semaines. Et c'est vraiment un projet qui prend de plus en plus d'ampleur et qui est quelque chose que je suis tellement fier d'être impliqué à avoir cet impact. Nous autres, on cherche à trouver d'autres partenariats dans d'autres communautés parce que présentement, c'est vraiment juste dans l'ouest de l'île de Montréal, mais j'essaie de faire des connexions au centre-ville. Moi, je viens du centre-ville de Montréal et j'ai dépensé beaucoup, beaucoup de temps et j'ai bénéficié de certains projets qui ont aidé des gens qui avaient ces besoins et je veux vraiment retourner ce genre de... Bon, en tout cas, je veux avoir un impact là-dessus aussi. Ça a été une difficulté avec le COVID dans les 2 dernières années car beaucoup, beaucoup d'entreprises ont peur peut-être d'être impliquées dans des projets où les employés sont sur les sites. Mais j'espère que quand on est tous vaccinés et que ça commence à revenir à un peu plus de la normale, que de plus en plus d'entreprises vont vouloir embarquer dans ce genre de projet. Alors, à date, on a plus que 3000 pieds carrés de jardins qui sont dédiés à ces projets-là. Et je suis très, très... je voulais dire merci pour notre bel trophée. Je suis tellement... Je le mets dans un place d'honneur dans notre fils, mais je voulais juste l'amener pour montrer à tout le monde comment que c'est beau. Et c'est ça, je voulais juste dire merci à tout le monde. Et nous autres à Semi Urbain, on va continuer de faire des projets comme ça et de faire de plus en plus de projets de conversion d'espaces verts, mais des espaces verts qui sont pas et non productifs et non hospitable pour les insectes et des animaux. C'est ça, on va continuer de faire ce genre de travail à Montréal. Alors, merci beaucoup.
Merci, Sean. J'espère que tu peux rester avec nous encore un peu pour répondre aux questions. Oui. Merci pour cette belle description-là. C'est vraiment inspirant de vous entendre les trois, de vous entendre justement de votre motivation, puis la motivation des autres finalement autour de vous. Vous avez des partenaires, vous avez réussi à trouver des partenaires qui croient en vos projets. Donc, et c'est là qu'on amène la première question dirigée. Vous en avez glissé quelques mots, mais quels ont été les éléments qui vous ont poussé à agir et à mettre votre réalisation en branle et quelles ont été vos plus belles surprises dans la mise en œuvre? Je pense qu'on peut recommencer, on va faire à l'inverse, l'alphabétique à l'inverse. Fait que Sean, on peut commencer avec toi. Donc, les plus belles surprises et pourquoi vous en êtes arrivé comme ça? À date, je dirais les plus belles surprises, ça serait non seulement les projets qui ont été réalisés, mais l'effet que ça a eu sur les employés qui travaillent et qui font le bénévolat dans ces entreprises. Ça s'est converti en des gens qui voulaient faire des jardins, des potagers à la maison. On a fait des projets avec ces entreprises-là qui ont voulu que ce soit des petits sacs de jardinage que nous autres, on leur a livrés avec des semis. Et ils ont fait un peu de production à la maison et ils ont donné cette nourriture, encore une fois, à la mission. Alors, c'est vraiment quelque chose que... Et c'est quelque chose que moi, je sais très, très bien. Quand quelqu'un commence à produire de la nourriture, c'est vraiment quelque chose qui... c'est addictive. Là. On veut en faire plus. On veut commencer à avoir cette expérience et la passion de jardinage. Et ça crée comme une sensation d'estime de soi, d'amélioration d'estime de soi quand on fait du jardinage. Ça nous sort un peu de notre bulle et ça nous met dans la nature, même si c'est juste pour quelques minutes par jour. Et j'ai vu cet effet, que ce soit avec des gars qui travaillent sur des camions ou n'importe qui, là, ou des petits-enfants. On a des projets avec eux qui impliquent aussi des gens qui habitent dans des maisons de retraités ou avec des écoles. Et on voit qu'ils soient 7 ans ou 97 ans, ça a le même effet sur tout le monde. Et ça, c'est quelque chose ça me surprend pas, mais ça me rend toujours un petit sourire sur le visage. En termes de surprise, honnêtement, je dirais que ça fait tellement un bon coup de temps qu'il n'y a plus rien qui me surprend dans le jardin, que ce soit bon ou mauvais. On a déjà fait toutes les erreurs, on a déjà appris toutes les affaires. Alors, quand quelque chose qui marche bien ou qui ne marche pas bien, ce n'est pas vraiment une surprise. Il faut juste qu'on soit proactif et qu'on soit présent dans les jardins et dans les potagers pour pouvoir donner la meilleure chance possible aux petites plantes d'avoir du succès. C'est effectivement un très, très beau message. La nature est là pour nous surprendre, mais justement, faut fonctionner avec elle. Oui, absolument. Laura, on va... Oui, excusez, j'ai mon micro coupé. J'ai un petit peu expliqué, mais les éléments qui nous ont poussé à agir, c'est vraiment déjà premièrement le constat qu'entre 2010-2011 et 2020, on est passé d'environ 16 ruches à Montréal à plus de 1500. Ça traduit vraiment l'effet un peu waouh qu'a eu l'apiculture urbaine ces dernières années, parce qu'il y a un lien très fort qui s'est créé dans l'imaginaire collectif entre le fait qu'il y ait un déclin dans la santé des pollinisateurs et que la solution la plus simple était d'adopter des ruches. C'est sûr que ce constat-là, c'est un peu un raccourci. Et nous, notre constat, c'était que en continuant à juste avoir ce lien fort, finalement, on finissait par ne plus avoir un effet positif sur la problématique qu'on essaie de régler et encore plus de ça, des fois, avoir un effet négatif. Je m'explique, à mettre 1500 ruches dans un environnement urbain où il n'y a pas beaucoup de ressources sans s'assurer qu'elles aient, par exemple, de la nourriture. Eh ben, c'est un petit peu, si on y réfléchit, comme si on adopte un animal à SPCA puis qu'on n'achète pas les croquettes qui vont avec.
Puis les croquettes des abeilles, c'est les fleurs et c'est les plantes, que ce soit pour manger ou pour même faire des espaces de nidification ou pour s'abriter, par exemple, quand il y a un orage. Donc, elles ont vraiment un besoin essentiel dans les espaces verts et les espaces verts fleuris avec des plantes majoritairement indigènes, avec des floraisons qui sont diversifiées pour donner de la nourriture toute la saison. Donc, vraiment, nous, ça a été de nous poser la question, comment on peut rendre les jardins, en fait, comment on peut rendre l'habitat, les habitats favorables à la biodiversité aussi sexy que des ruches et continuer, en fait, à créer cet enthousiasme, parce que pourquoi l'apiculture, ça a tellement explosé, c'est parce que ça prend à peu près 30 secondes de parler d'une ruche pour avoir des étoiles dans les yeux de tout le monde, que ce soit les enfants, les adultes, c'est quand même un univers fascinant. Donc, on a essayé de réfléchir à une façon vraiment de continuer en fait, à créer ces liens-là, de rediriger les super bonnes intentions, puis la superbe motivation et l'enthousiasme des citoyens et des citoyennes, puis même des organismes et des entreprises, à vouloir protéger les pollinisateurs, mais en proposant une solution qui avait un réel impact positif sur leur santé. Donc, c'est vraiment ça qui nous a poussé à agir. Et puis, je pense qu'une des plus belles surprises, c'est que dès notre première année de test, on a eu des partenaires d'envergure, je l'ai déjà dit, mais quand même le Conseil régional d'environnement, l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, on avait également l'arrondissement Notre-Dame-des-Neiges, qui a également un jardin avec nous sur le site de l'ancien hippodrome. Donc, on voit qu'il y a quand même des partenaires d'envergure qui sont intéressés, qui ont envie de prendre action et qui sont aussi de plus en plus au courant de toute la problématique autour de la protection des pollinisateurs. Donc, c'est vraiment ça a été super gratifiant pour nous de voir qu'il y avait des partenaires majeurs qui embarquaient sur le projet, qui avaient un réel engouement quand on a fait l'appel à projet, et qu'en plus de ça, après la sélection des projets, les organismes étaient prêts, dans le fond, à mettre la main à la pâte et à ajouter du budget pour faire rayonner encore plus et pour faire grandir encore plus l'impact de leur jardin. Donc, ça a été vraiment une super surprise. Et évidemment, je reviens un petit peu sur le pouvoir de la nature, mais c'est toujours merveilleux quand on voit à quel point c'est rapide de voir l'effet qu'ont nos jardins, quand on voit que quelques semaines après avoir planté, quand il y a un environnement qui est favorable, on voit déjà des fleurs qui arrivent. Et dès qu'on voit des fleurs, on voit des pollinisateurs qui viennent butiner. Donc, c'est aussi hyper gratifiant de voir que ça va très, très vite pour que notre solution soit prouvée en fait efficace, entre guillemets, et qu'on voit que la vie, quand on met des fleurs quelque part, la vie fleurit automatiquement au niveau des espèces animales également. Donc, je dirais que c'est ça. Merci. Et on le voit à chaque printemps, l'émerveillement des gens devant les taches de verdure, les petites taches fleuries, ça ravigote tout le monde, insectes et humains compris. Donc, merci Laura. Passons à Mélissa. Oui, bien moi, je soutiens tout ce que vous venez de mentionner, à dire que oui, c'est une belle surprise. Puis c'est vraiment très intéressant là, de voir des petits jardins pollinisateurs apparaître là, dans le cadre de la lutte à l'herbe à poux également. Là. Donc, je pense que c'est vraiment un beau volet de marier les deux projets. Puis c'est une des choses qui nous a quand même poussé à agir, là. Notamment dans le fond de l'intérêt pour soutenir les pollinisateurs d'une part, puis la belle rencontre avec Miel Montréal par rapport à ça et de bénéficier de leur expertise à cet égard-là. Et puis, notamment, nous, de venir répondre vraiment à un besoin, dans le fond, auprès de nos citoyens qui sont incommodés. Puis, il y a beaucoup plus de gens qu'on pense, en fait, qui sont vraiment incommodés par le pollen de l'herbe à poux. Donc, je pense que c'est vraiment un beau projet, là, donc, dans le fond, je pense qu'il y a plein de visées, comme un peu Laura le mentionnait, là, dans le fond, de tous les services écologiques, là, de ces aménagements-là. Je pense que plusieurs vont en bénéficier. Donc, ça, c'est vraiment des belles surprises. Puis aussi, dans Rosemont, peut-être que vous êtes déjà au courant, mais tu sais, je pense que les citoyens ont quand même la main verte. Là, Et puis, bien, c'est quand même assez exceptionnel de voir justement à quel point les gens ont répondu à l'appel, là, à l'effet qu'ils veulent vraiment participer, qui ont participé aux plantations, en fait, pour soutenir. Puis je trouve que c'est chouette parce que ça vient vraiment
ajouter en fait aux efforts que met l'arrondissement pour aller de l'avant dans ce genre de projet-là. Donc, on est vraiment chanceux là, d'avoir les citoyens. Puis à terme, en fait, c'est impossible pour l'arrondissement de pouvoir soutenir des aménagements partout où il y a la possibilité d'avoir l'herbe à poux. Donc, de développer un projet comme ça à terme pour pouvoir vraiment agir, multiplier les efforts dans le fond. Donc, je pense que c'est vraiment porteur. Fait qu'on est vraiment, c'est des belles surprises. Puis la belle collaboration qui s'est faite avec Miel Montréal, avec Nature Action Québec, je trouve que c'est vraiment, on est parti d'une idée, il y a une subvention avec Laura, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Puis on a construit tout ça. Fait que c'est vraiment, vraiment bien là, de voir c'est sûr que ça donne un beau projet puis que ces idées-là soient soulignées là, dans le cadre d'un gala comme ça. C'est vraiment chouette. C'est sûr que ça, ça nous fait plaisir pour la reconnaissance, franchement, de mettre de l'avant des aussi beaux projets, des aussi belles idées de départ qui, justement, ont des fois le cheminement est plus lent, mais qui aboutissent à des choses extraordinaires. Donc, on vous remercie pour toute votre volonté. La deuxième question, on a déjà des questions sur le chat, mais on va vraiment les passer à la fin. Dans la deuxième question dirigée, comment comptez-vous assurer la pérennité de la protection des milieux naturels impliqués? Donc, comment justement les citoyens ou les autres organisations ou les entreprises, vous vous êtes intégrés, comment vous faites le suivi? Là, on pige dans le milieu, on va aller chercher Laura. Oui. C'est une très bonne question, la pérennisation des projets, c'est quelque chose de tellement majeur qui est souvent sous-estimé. Je dirais que de notre côté, premièrement, on essaye de créer des projets sur 3 ans. Par exemple, là, le bel exemple avec Rosemont la petite patrie, on a finalement au début validé un projet d'un an, on a été capable d'aller chercher 2 années supplémentaires parce qu'on estime que premièrement, un projet de moins de 3 ans, c'est extrêmement difficile de pouvoir... et se rendre compte et mesurer les effets et les impacts potentiels du projet. Donc ça, c'est une première chose, de faire des projets solides. Pour nous, il faut que ce soit des projets pluriannuels. C'est vraiment très important pour pouvoir vraiment avoir, dans le fond, des assises scientifiques au projet et pouvoir, en fait, recréer, par exemple, les projets ailleurs, s'appuyer sur ces projets-là pour avoir une transmission aussi d'informations, on le disait, par exemple, aux citoyens dans le cadre du projet contre l'herbe à poux. Donc ça, vraiment, nous, c'est important. Cette transmission-là dans les projets aux personnes qui vont ensuite pouvoir s'occuper de l'entretien, que ce soit des citoyens, des employés, c'est aussi extrêmement important. Puis la dernière chose, c'est que dans le cas des aménagements que l'on crée chez Miel Montréal, ce sont des jardins qu'on veut le plus sauvage, que je vais mettre entre guillemets, possible, parce qu'on se rend bien compte qu'on est en milieu urbain, on est une équipe d'horticoles, on fait un design, donc on n'est pas dans du sauvage, mais le but, c'est que ces jardins-là soient capables, après quelques années, de quasiment s'auto-entretenir. C'est des jardins qui sont très peu intensifs en termes d'entretien. Il suffit de faire, par exemple, un petit désherbage à chaque année. Et puis, normalement, au bout de 3 ans, et après 3 ans, on n'est même plus dans le besoin d'arroser selon les aménagements. Donc, ça, c'est une façon aussi de rendre l'entretien... l'entretien de cet aménagement le moins intensif possible. C'est une façon de soutenir en fait la pérennité des projets parce que souvent, le budget qu'il faut mettre dans l'entretien de ces projets-là fait en sorte que si le budget est coupé, ben, le projet n'existe plus. Alors, on essaie vraiment de réfléchir comment on peut faire des synergies entre les plantes, comment on peut, par exemple, mettre le paquet dans l'enrichissement et l'amendement du sol les premières années pour qu'il y ait vraiment un projet solide. En fait, que les jardins soient solides et qui permettent vraiment une pérennité. Donc, ce sera ça de notre côté. Intéressant de voir justement que vos projets peuvent avoir une pérennité autonome, finalement. Donc, très intéressant. Sean? Alors, pas exactement le même concept, mais pour nous, ça a toujours été important que le but, ce n'est pas que semi-urbains font le travail.
Le but, c'est d'apprendre aux gens comment faire leur production eux-mêmes. Et on espère qu'ils aiment la qualité de nos semis et de nos semences et qu'ils vont vouloir faire la continuité avec nous en tant qu'entreprise dans ce sens. Alors, on travaille avec les employés des entreprises à leur montrer exactement comment qu'on le fait. Souvent, c'est une année où on est présent, où on fait tout le travail avec eux, avec des ateliers d'apprentissage. On fait aussi des vidéos qu'on envoie aux gens pour leur montrer des petits trucs, comment faire les différents enjeux dans le potager, comment identifier les bonnes choses, les mauvaises affaires, quand faire la récolte, etc. Et vu qu'on travaille présentement avec un organisme de West Island Mission, et eux, ils apprennent de plus en plus comment entretenir leur jardin, nous autres, on va pour la première année et ensuite, on va faire des livraisons de plantes, on va faire les livraisons de terreaux et c'est sûr que les gens ils vont vouloir continuer d'avoir accès à cette nourriture. Ça commence à faire partie de leur plan de l'année en termes de la nourriture qu'ils vont utiliser, ils vont avoir accès pour donner à leurs clients. Alors moi, ça ne m'inquiète pas là-dessus. La pérennité va être là tant qu'on puisse avoir des entreprises qui sont ouvertes à faire ce genre de projet. Et je vous dis, de plus en plus, il y a beaucoup, beaucoup plus d'entreprises qui veulent avoir ce genre de programme pour leurs employés, non seulement comme une expérience, mais aussi pour comme un team bonding pour leurs employés. C'est vraiment quelque chose que tout le monde, si vous avez un potager, même si on est tous à la maison, on peut quand même discuter, on peut avoir une relation avec, que ce soit nos voisins ou notre famille, en parlant de nos jardins et de nos succès, etc., etc. Alors, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que la qualité est là dans nos plantes, que la qualité est là dans les matériaux qu'on utilise et qu'on offre ce support non seulement à l'organisation, mais aux entreprises avec qui nous donnent cet espace pour faire la production. Il faut que les jardins soient productifs et beaux. Ça, c'est quelque chose que c'est souvent la première affaire que quand je rentre dans un boardroom pour m'asseoir avec le président de telle compagnie, puis ils ont les bras croisés, puis ils disent « Ah ben le jardin potager, je vois pas ça, ça va être laid. Il va y avoir des bâtons de hockey tout partout, puis les tuteurs, puis c'est pas quelque chose qu'on veut mettre devant notre entreprise. » Mais nous autres, on a trouvé des moyens en utilisant du jardinage intensif, jardinage au pied carré, construire des bacs, mettre une petite clôture pour garder les écureuils à l'extérieur, utiliser des treillis et s'assurer que ça produit bien. C'est beau, c'est quelque chose que les entreprises sont fières d'avoir devant leur entreprise et cela, ça assure vraiment beaucoup plus de cette pérennité qu'ils vont vouloir continuer avec l'expérience. Tant mieux que ça ne dépende pas d'une seule personne, effectivement, dans une entreprise, que ça devienne un projet vraiment. Ça commence comme ça, mais à la fin, après 10 minutes de m'entendre parler, ils sont tous comme All right, ah ouais, on va avoir un jardin, ça va être super le fun. Et c'est quelque chose que moi, je suis tellement passionné par mon jardin. J'ai tellement adoré mon jardin que j'ai commencé une compagnie pour offrir ce genre de service à tout le monde. Et je l'adore. J'adore chaque jardin. Et même si on a des succès puis des moins succès, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la nature, c'est la vie. Mais on continue et on pousse et on travaille fort et on apprend de nos erreurs. Et on arrive toujours à avoir quelque chose qui est positif à la fin de la journée et c'est ça que les gens se souviennent souvent,
Oui, les aubergines n'ont pas été bons, mais man, les salades étaient tellement, tellement productives au printemps que fin de la journée, ils sont contents. Merci, Sean, pour ce partage de passion. Tu dois donner effectivement la piqûre à beaucoup de monde dans le domaine industriel. Mélissa, sur la pérennité des projets. Comme j'en ai fait référence un peu tout à l'heure, mais effectivement, je pense que l'implication citoyenne est quand même la clé par rapport à la pérennisation des projets dans la lutte à l'herbe à poux et puis dans le projet pilote et la façon, l'approche dans laquelle on veut, on se dirige là, pour pouvoir lutter contre l'herbe à poux. Donc, dans le fond, que les citoyens participent au mandat actuellement, ça nous permet, dans le cadre du projet pilote, ça nous permet justement de voir si c'est possible que les citoyens par eux-mêmes, en fait, prennent en charge la lutte à l'herbe à poux en étant soutenus soit par les horticulteurs de la façon dont Miel Montréal le fait dans le cadre du projet pilote, mais à terme aussi, ça nous permet d'identifier si l'arrondissement, comme je mentionnais, donne des trousses de plantation, comme on le prévoit pour 2022. Dans le fond, si ça va faire le travail, dans le fond, si on va en arriver à diminuer la quantité de plants d'herbe à poux sur le territoire puis à améliorer la qualité de l'air. Donc, puis, en fait, je pense que sinon, c'est impossible que l'arrondissement puisse dégager toutes les ressources pour aller planter partout et à éradiquer. Donc, on a quand même avec Nature Action Québec qui travaille fort aussi à chaque année à faire des corvées d'arrachage qui impliquent également les citoyens. Puis si les citoyens ne participent pas, c'est impossible d'en venir à bout, là, malheureusement. Donc, voilà. Donc, je pense que vraiment la clé, c'est vraiment ça. Puis dans le cadre d'un projet pilote comme ça, d'avancer, comment je pourrais dire, pas à pas, en fait, de déterminer finalement qu'est-ce qui est une recette qui fonctionne bien. Dans le fond, ça nous permet aussi à terme d'assurer la pérennisation. Puis c'est grâce aussi au financement là, qu'on peut avancer pas à pas puis s'assurer que la solution qu'on veut mettre en place soit adéquate et appropriée le plus possible. Donc, de la peaufiner au fil des ans, ça permettra une meilleure pérennisation du projet. Excellent, merci. On passe à la dernière question dirigée, puis après on va pouvoir aller rapidement aux questions du public. Le dernier, c'est justement quels enjeux entourant la biodiversité urbaine sont... Désolée, je ne sais plus lire. Les enjeux entourant la biodiversité urbaine sont multiples. Quels sont les éléments facilitants à mettre en œuvre pour que les initiatives comme les vôtres se multiplient? Donc, quelle est la graine à planter pour que les autres vous suivent? On peut aller avec Laura. C'est des grosses questions, hein? Ben, je dirais que, en tout cas, dans le cadre des jardins pour la biodiversité, je pense que, premièrement, comme je disais, de refaire un lien avec les problématiques auxquelles on veut s'attaquer et les solutions, que les gens comprennent à quel point avoir de la ressource et des habitats pour les pollinisateurs et la biodiversité, c'est essentiel, non seulement pour la santé des abeilles domestiques, donc celles qui font du miel, mais aussi pour la santé de toutes les abeilles sauvages montréalaises, québécoises. Je pense que ça, c'est une première chose. Une fois que ce lien-là, il est créé, puis nous, on a le privilège, vu qu'on a aussi des ruches, qu'on fait aussi beaucoup d'éducation, d'avoir un petit peu tous les éléments pour faire facilement ces liens-là. On s'est rendu compte, par exemple, de la symbolique du miel. C'est pour ça qu'on en donne aux personnes qui font des jardins, parce que c'est tellement important que les gens comprennent que s'il n'y a pas de fleurs à Montréal, il n'y aura pas de miel. Donc ça, je pense que de réussir à recréer des liens logiques, parce qu'on s'attaque énormément à des problématiques qui sont complexes. Souvent, ça peut faire peur. On n'a pas envie de... On veut des choses qui soient plus suite, plus rapide et qui ont un impact. Donc, de vraiment rappeler les liens majeurs, puis se servir en fait du positif et des facteurs motivants positifs pour aller chercher l'adhésion, puis aussi vraiment l'adhésion, puis l'engagement dans le projet. Je dirais que ça, c'est une première chose. C'est sûr que
c'est ça, quand il y a un engouement sur un sujet, bah de regarder comment, avec cet engouement-là, comment on peut garder cet engouement, cette motivation et tout ce positivisme et le rediriger d'une bonne manière et d'une manière qui va faire un impact sur le long terme. Ça, c'est certain. Ensuite, c'est ça. Quand on commence à toucher à tous ces enjeux-là, je dirais que des fois, on a un peu la tête qui tourne. Hein. C'est tellement complexe que des fois, on se dit, oh mon Dieu, je ne vais jamais pouvoir rien faire. Mais c'est relativement simple. En fait, il faut revenir à la base, puis de faire un jardin, de planter des fleurs. C'est, en somme toute, c'est une solution qui est moins dispendieuse que mettre des ruches, qui est simple, sur lequel, je le disais tantôt, on voit des impacts rapidement, ça fleurit au bout de quelques semaines quand on a une bonne qualité de sol. Fait que c'est très gratifiant donc, de fournir des solutions qui sont simples, qui sont inclusives, c'est-à-dire qu'elles sont, elles sont pas, y a pas une barrière avec le coût que ça va prendre de commencer un projet. Le coût d'un achat de ruche, la première année, on est autour de 1 000 $ à peu près pour juste commencer à pouvoir faire de l'apiculture, acheter des semences ou acheter des semis, je veux dire, ça n'a rien à voir. Donc, peut-être réfléchir les solutions pour qu'il y ait une adhésion la plus grande possible. Et je pense que le dernier facteur, c'est de l'éducation doit être transversale. Que ce soit, nous, c'est quelque chose qu'on a mis au cœur de notre mission parce qu'on pense que l'apiculture sans le facteur éducatif n'a plus aucun sens. Mais je pense que c'est vrai pour beaucoup de sujets. Et donc, d'intégrer constamment de l'éducation, de la sensibilisation, de faire vivre les jardins une fois qu'ils sont mis en place, de faire des ateliers dans ces jardins-là, de faire des visites, tout simplement d'avoir des panneaux éducatifs pour que les gens, quand ils arrivent, sont comme « Ah, oh, waouh, c'est beau. Ah, ben, c'est aussi utile. Ah, ben, en fait, c'est aussi bon pour ma santé à moi. » Ça, c'est certain que de faire tous ces liens-là de différentes manières, donc différentes manières de sensibiliser, c'est majeur pour qu'on puisse planter des graines parce que les gens, ces solutions-là, elles aident tout le monde. Elles aident à la fois les pollinisateurs, les citoyens, notre santé, la santé de la biodiversité à Montréal. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment faire rayonner le plus possible les projets et évidemment d'avoir des partenaires d'envergure qui sont des têtes de réseau qui ont cette possibilité-là aussi de rayonnement. C'est majeur dans l'adhésion et la reconnaissance de ces projets. Donc, par exemple, le gala du Creux, bah, c'est évidemment, ça joue un rôle aussi là-dedans parce que souvent, il y a des initiatives qui sont magnifiques et qui sont peu connues. Alors, je dirais que tout ça ensemble, ça fait vraiment en sorte que on espère prendre racine et s'aimer. Voilà. Merci, Laura. Effectivement, je pense que il y a des expressions « planter et les gens viendront ». Je ne suis pas bonne dans les expressions, mais s'il y a quelqu'un qui la sait, merci de nous la donner officiellement. Mais effectivement, plus on met de l'avant, plus les gens vont s'en inspirer. Mélissa, quelle est ton inspiration? Bien, je pense aussi notamment que l'éducation fait en sorte qu'on peut multiplier les initiatives, là, comme le mentionne Laura. Là, je pense que c'est vraiment la clé du succès. Puis, tu sais, dans ce qui concerne la lutte à l'herbe à poux, notamment en complément de ce que mentionnait Laura, en fait, les gens, il faut qu'ils apprennent à la reconnaître parce que les gens ne savent pas nécessairement, ils ne reconnaissent pas la présence de cette plante problématique au niveau de la qualité de l'air. Et puis, dans le fond, de mettre en place des projets comme ça, ça fait parler en fait, de cette plante-là. Et donc, ça amène les gens à mieux connaître, en fait, et à mieux identifier et à mieux cibler les interventions qui pourraient se mettre en place. Et puis, bien, dans le fond, je reviens un peu à ce que je mentionnais tout à l'heure aussi. Je pense que aussi de démarrer des projets de ce type en y allant avec un format projet pilote en premier lieu, dans le but de vraiment bien camper les expertises et par la suite de pouvoir le mettre, tu sais, dans le fond, de démontrer son succès finalement, fait en sorte que c'est plus facile à promouvoir par la suite, en fait, pour favoriser la multiplication de ce genre d'initiatives. Moi, j'espère bien que dans le fond, les assemblages de plantes et les méthodes d'aménagement développées dans le cadre du projet pilote pourront, en fait, en plus de promouvoir, de lutter contre l'herbe à poux, pourra aussi également vraiment promouvoir comme le mentionnait aussi Laura, là, de partir de pôles et de créer des corridors de pollinisateurs à terme aussi. Donc,
C'est ça. En fait, je pense que quand même, d'utiliser aussi un fondement de santé publique aussi, en fait, qui vient davantage justifier les interventions au-delà de, comment on pourrait dire des fois, de la vertu de la biodiversité. Mais dans le fond, ça peut générer encore plus de mobilisation, en fait, pour favoriser la multiplication des initiatives. Donc, c'est d'autant plus d'actualité actuellement, avec tous les changements climatiques, de mettre en place davantage toutes les raisons, les fonctions écologiques de la biodiversité. Donc voilà, je pense que ça fait le tour. Bien, c'est fort intéressant. On va passer à Sean qui doit nous quitter dans quelques minutes. Donc, vas-y, Sean. Oui, j'ai 100 tomates dans mon camion qu'il faut que j'apporte à la librairie de Côte-Saint-Luc avant 2 heures, et ils commencent à m'appeler et disent « Hey, où sont mes tomates? » Ils vont ils vont les donner aux résidents. OK. Alors, en agriculture urbaine, présentement, il y a vraiment un grand, grand push, un grand boost dans le secteur. Quand j'ai commencé semi-urbain il y a 10 ans, quand on a commencé semi-urbain à 10 ans, il n'y avait vraiment pas beaucoup, beaucoup d'entreprises, d'organisations. Il y en avait, c'est sûr, mais c'était quand même quelque chose qui n'avait pas beaucoup de, on va dire, en tout cas, je ne veux pas dire grand-chose, mais de plus en plus, il y a des jeunes et des gens qui sont dans le secteur. C'est un secteur qui est vraiment en expansion. C'est quelque chose qui commence à avoir plus de crédibilité, et c'est quelque chose que je suis très, très fier d'avoir eu un impact et d'être impliqué dans cette expansion, on va dire. Alors, en termes de les aliments qui vont... On a juste besoin d'encore de plus en plus de jeunes à vouloir s'impliquer et à commencer des projets, à se lancer là-dedans. Et c'est quelque chose que je vois vraiment beaucoup. Je fais beaucoup de travail dans les écoles, et j'ai beaucoup, beaucoup de stagiaires et d'étudiants qui veulent travailler avec nous. Et je ne suis pas inquiet, là. Je pense que ça va vraiment être un secteur qui va vraiment prendre de plus en plus de momentum à chaque année. Ce que j'ai vraiment hâte à, c'est que les entreprises présentement, de plus en plus, les gens, ils travaillent de la maison. Et il y a certains gens qui veulent retourner à l'office, mais il y a d'autres qui sont pas mal contents de rester chez eux. Le jardin au travail, ça va être une autre raison pour que les gens vont au travail. Ils vont pouvoir aller grignoter un tout petit peu, pas trop, parce que la nourriture est vraiment pour les gens qui ont besoin. Mais des fois, il y a une tomate qui tombe, ben, on ne va pas la laisser à terre, on va la manger, parce que sinon, ça va être gaspillé. Et je sais comment cet aspect peut donner une autre raison aux gens de vouloir aller à travailler. Alors moi, j'espère juste qu'il y ait cet retour au travail pour beaucoup de gens, pour qu'on puisse avoir plus d'activités dans les jardins et qu'on puisse avoir plus d'entreprises et plus d'organisations qui vont vouloir faire la conversion de leurs espaces gazon qu'ils tombent, s'ils les laissent pousser et monter en graines, mais ça c'est aussi bon pour la biodiversité. On est dans ce mois de mai où on ne tombe pas. Pour moi, je pense que ça, c'est les affaires qui vont être vraiment importantes, qui vont pouvoir aider à d'autres organismes de pouvoir faire des projets comme ça, que ce soit sur un toit, que ce soit dans le cours, que ce soit à l'intérieur, que ce soit juste de l'apprentissage, que ce soit des ateliers à faire avec les employés. Je sais que moi, cet hiver et ce printemps, j'en ai fait une vingtaine d'ateliers avec les employés, parce que c'est quelque chose que les gens, ils veulent savoir. Ils veulent savoir d'où vient leur nourriture, ils veulent savoir comment faire leur propre production.
Et on est beaucoup plus conscient de vouloir manger bio, de vouloir manger local et de vouloir manger des variétés de patrimoine, etc. Moi, je ne suis pas trop inquiet. Je sais que ça roule dans la bonne direction, puis j'espère juste que ça continue au même vitesse. Faut que je parte, mais merci beaucoup à tout le monde et merci beaucoup à Caroline pour ta patience avec moi. Désolée pour le PowerPoint. Non, c'est correct, ça arrive. Non? Mais merci beaucoup, Sean. Je garde les autres panélistes et les autres participants avec moi. Puis, on va continuer. Bonne journée, Sean, et bonne livraison de tomates. Merci. Au revoir. Donc, c'est très justement, là, je pense que l'inspiration vient de la personne qui démarre les projets et fait boule de neige assez vite en rassemblant les bons outils, les bonnes personnes. Pour rendre ça viable. Puis, fait que c'est vraiment intéressant. On a une question du public qui vient de Mme Irène Maillet, qui spécifiquement demande à Mélissa, mais je pense que Laura pourra aussi contribuer sur en parallèle. On dit que les citoyens doivent entretenir des espaces devant leur résidence, mais qu'en est-il des compagnies? Sean avait aussi une solution pour ça, mais elle donne un exemple vraiment précis. Par exemple, dans Rosemont, par exemple, le McDonald's sur Rosemont, près de Normanville, entretient bien son terrain, mais l'espace près de la rue est souvent plein d'herbes à poux. Cet espace est-il dans votre mandat? C'est une question très précise, mais je pense qu'elle peut, elle peut se répondre aussi de façon générale. Au niveau règlement, dans le cadre du mandat en tant que tel, là, du projet pilote qu'on met en place, là, en fait, je reviens spécifiquement à la question. Là, on se concentre davantage en bordure de rue, donc vraiment dans les espaces en pied d'arbre ou dans les banquettes qui sont souvent aménagées entre deux espaces d'arbres. Donc, à l'arrondissement, on veut quand même soutenir, améliorer, en fait, déminéraliser davantage ces espaces-là, donc en les verdissant. Et oui, effectivement, les citoyens sont invités à se les approprier dans le cadre de la campagne « Faites comme chez vous ». Comme je mentionnais tout à l'heure, c'est comme notre programme de verdissement dont notre faction en est le mandataire. Donc, les gens sont invités à s'approprier ces espaces-là pour réduire, dans le fond, en fait, pour embellir et puis avoir quand même tous les effets bénéfiques au-delà de l'embellissement. Donc, dans le fond, quand ces endroits-là sont moins entretenus, notamment, et c'est là qu'ils deviennent un peu plus vulnérables et susceptibles à l'envahissement de l'herbe à poux. Donc, c'est pour ça qu'on se concentre spécifiquement sur ces endroits-là qui sont parfois un peu moins, dans le fond, que les citoyens à proximité sont possiblement moins intéressés à les adopter. Puis, dans le fond, c'est pour ça aussi que dans le cadre du mandat, on veut agir principalement sur sollicitation à des endroits qui sont vraiment identifiés comme problématiques. Donc, si, dans le fond, les citoyens identifient des problématiques, on a mis en place dans le cadre de ce projet-là un endroit sur le site de Faites comme chez vous, là, que je pourrais mettre dans le chat. Je pourrais retrouver le lien et le mettre d'ici la fin de la conférence, mais il y a un formulaire de signalement d'endroits problématiques au niveau de l'herbe à poux. Mais en ce qui concerne, dans le fond, de façon plus générale, les endroits, dans le fond, donc, du domaine privé, qu'on peut dire de façon plus globale. Donc, comme le McDo spécifiquement, mais c'est sûr qu'il y a un règlement là, sur la propreté à l'arrondissement qui demande aux citoyens de couper l'herbe lorsqu'elle dépasse 30 cm. Donc, techniquement, ça devrait venir faire en sorte que l'herbe à poux ne pousse moins parce que, dans le fond, également, dans le fond, bon, l'herbe à poux, c'est une herbe qui devient quand même plutôt haute, mais c'est sûr que c'est pas infaillible. Là, dans le fond, le règlement sur la propreté, n'a pas été mis en place pour venir lutter contre l'herbe à poux. Là, donc, c'est plus, dans le fond, dans une idée de venir quand même régler, si en fait,
dans le fond, des, plutôt pour les terrains vagues et autres, des endroits où les citoyens ne pourraient pas être présents sur le territoire, là, dans le fond, de régler plus de problématiques plus globales. Bien que notre règlement permet, dans le fond, si c'est des plantes cultivées, là, les gens n'ont pas besoin d'en l'entretenir. Là, l'idée, c'est vraiment plus dans des secteurs où ce n'est pas approprié, où les gens n'habitent pas le secteur là, pour des questions de sécurité et de propreté de façon globale. Mais comme je le mentionne, dans le fond, à cette étape-ci, on veut, comme dans le cadre du projet pilote, aller de l'avant davantage avec des secteurs qui sont des endroits problématiques sur le domaine public. Maintenant, à terme, dans le fond, j'invite les citoyens à signaler les endroits problématiques et en ayant une meilleure connaissance du territoire, bien, il y a rien qui empêche non plus d'avoir de la sensibilisation qui est quand même ponctuelle et ciblée là, de par les divers acteurs ou nos partenaires avec qui on travaille sur le territoire. Tout à fait. Merci, Mélissa. Je pense que c'est ça. Disons que les zones entre le trottoir et le début des terrains privés ou publics deviennent une problématique de piétinement, donc l'entretien ou la plantation devient plus difficile. Mais je pense que c'est quand même quelque chose que vous regardez. Justement, j'ai transmis le lien du site web pendant que tu parlais, mais c'est effectivement c'est précis là. C'était vraiment une question précise, mais je pense que Laura aussi l'implication justement de la plantation de fleurs sauvages et ou d'un entretien autre que juste planter du gazon. Sean avait une belle solution aussi. Puis Miel Montréal aussi, je pense que vous êtes complémentaires chacun sur vos domaines, vraiment de façon intéressante. Oui, puis moi, ce que je conseillerais peut-être, ou en tout cas, je trouve que c'est sûr qu'on a un peu moins, tant que moi, en tant que citoyenne, je trouve qu'on a vraiment moins de pouvoir quand c'est évidemment l'espace privé, puis surtout les entreprises. Mais on peut quand même, des fois, les entreprises ne sont pas au courant aussi des problématiques. Il y en a sûrement qui ne connaissent pas l'herbe à pousse si personne n'est allergique, par exemple, au sein de leur employé. Alors, peut-être qu'en tant que citoyen, si on voit ça, on pourrait juste avoir une responsabilité aussi d'envoyer un courriel, dire « Hey, connaissez-vous le site, faites comme chez vous, ça vous explique vraiment bien ce que c'est l'herbe à pousse. » Puis, peut-être, voici des organismes de l'économie sociale qui peuvent avoir une solution pour vous. Donc, peut-être que d'inciter les entreprises, parce que des fois, je pense que c'est beaucoup du manque d'informations et peut-être qu'ils ne savent pas que certaines initiatives existent. Donc, peut-être aussi de tout le temps faire rayonner le plus possible et mettre de l'avant des initiatives et des solutions. Souvent, les gens, quand ils n'agissent pas, c'est aussi qu'ils ne savent pas vraiment quoi faire. Alors, je dirais que si nous, on est au courant un peu plus, on peut peut-être passer le mot et que ça peut des fois suffire à comme, mettre des organismes en action. Là, nous, on le voit souvent, les gens qui nous contactent pour commencer des projets avec nous, c'est un employé, pas le président, pas le directeur général, mais une personne qui a le projet à cœur. Puis, bien souvent, ça suffit pour enclencher des changements majeurs. Alors, c'est vraiment aussi ça, je pense que c'est important. On a tous une responsabilité de passer le mot et d'essayer de faire mieux. Et puis, des fois, juste parler des initiatives ou parler des problématiques. Ça peut suffire. Donc, voilà. Donc, si on résume presque une heure de discussion, l'information, l'enseignement, vraiment pour la protection de la biodiversité, c'est clé dans tout le processus. Donc, en espérant qu'on a des très bons exemples d'enseignants et de formateurs, de gens passionnés par la protection et justement la biodiversité très large. Merci. Merci à vous trois. On en a perdu un entre-temps, mais merci à nos panélistes d'aujourd'hui. J'avais mis même mes pantalons à fleurs aujourd'hui pour me mettre dans l'ambiance et ça fonctionne très bien. C'est quelque chose qui, franchement, on va en continuer à en parler de la biodiversité par nos collaborations au CREU Montréal. On a d'ailleurs, pour les 25
On a une série de conférences. On va avoir une belle conférence qui va être annoncée dans quelques jours pour le 17 juin, donc 25 ans de biodiversité à Montréal. Si ça vous intéresse, suivez le site du CRE et les médias sociaux. Médias sociaux que, bien sûr, l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, Miel-Montréal et les semi-urbains. Allez voir leurs projets. Vous pouvez aussi aller voir leurs projets sur le site du Gala, gala.cremtl.org. Le Gala, justement, ne pourrait pas, les conférences, le Gala ne pourrait pas se faire sans la participation, le partenariat financier nos partenaires, dont le partenaire distingué, Partenariat Climat Montréal, qui est un nouveau partenaire cette année. Si vous voulez en apprendre plus sur ce nouveau partenariat, allez voir Climat Montréal. Il y a aussi, bien sûr, Communauto qui nous a servi, entre autres, à livrer toutes les gemmes à nos merveilleux lauréats. Communauto aussi qui a remis deux bourses, dont à Miel Montréal. La Ville de Montréal, qui est toujours un partenaire depuis le début, donc depuis 15 ans. Merci beaucoup, partenaire associé Hydro-Québec et nos alliés Énergir, Fonds de solidarité FTQ, Port de Montréal et Recyc-Québec. Merci aux participants. Sans vous non plus, on n'aurait pas de gala, on n'aurait pas de candidature. Donc, passez le mot. Si vous connaissez des réalisations, des candidatures, des projets, des démarches dans votre entourage, mentionnez-leur le gala. On va ouvrir les candidatures pour 2022 à la fin de l'année. Donc, en décembre, vous devriez en entendre parler. Et sur ce, merci. Je répète, merci beaucoup à tout le monde. Puis, je vous souhaite une excellente journée. Puis allez observer dans vos jardins ce qui bouge, ce qui vole, ce qui marche et ce qui fleurit. Donc, je vous souhaite une excellente journée à tous. Et on se revoit la semaine prochaine pour la dernière conférence des lauréats. Mercredi, le 26, sur la gestion des ressources, des matières résiduelles. Désolée. Donc, on va être de nouveau Jacques et moi en collaboration pour l'animation. Puis, bonne journée. Merci tout le monde. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée bonne à vous. Journée. Merci d'avoir été là. Merci. Bye. Merci. Bye-bye. Oups.